Le tableau de loge, au rite écossais ancien et accepté, ou tapis de loge, est, au-delà de sa complexité et de ses significations, l'élément symbolique essentiel de la maçonnerie moderne. Placé au centre de la loge pendant l'ouverture des travaux, il contient l'ensemble des éléments symboliques du grade auquel il correspond. Par sa forme graphique, il est une représentation synoptique de la loge. En Angleterre, il se dénomme « tracing board », que l'on peut traduire par « planche à tracer », à ne pas confondre avec la planche tracée lue par le secrétaire. L'origine opérative du tableau de loge est énigmatique. Il n'existe pas de preuve tangible de son existence en tant que tableau chez les bâtisseurs de cathédrales. Dans un certain nombre de cas, comme à York, où la trace demeure, la loge était adjacente à la chambre au trait, Tracing Lodge, au sein de laquelle les ouvriers réalisaient à même le sol, sur un quadrillage noir et blanc, le mosaic pavement, les gabarits et les épures nécessaires pour le chantier, et ce, à l'aide de cordes colorées qui, pincées, vont imprimer un dessin sur le sol. Cela préfigure peut-être le tableau. En Écosse, cependant, chez les spéculatifs, d'où proviennent les plus anciens rituels maçonniques, il n'est aucune mention de tableau au centre de la loge. Ce dernier n'apparaît et ne nous est iconographiquement connu que vers la fin des années 1730 et le début des années 1740, en France comme en Angleterre. Son usage est attesté dans les plus vieux procès-verbaux des loges maçonniques d'Angleterre et d'Écosse entre 1738 et 1787, ou encore dans le texte des « Trois coups distincts »,« Three Distinct Knocks », divulgation de 1760, où l'on peut lire « Le plan est dessiné sur le plancher de l'est à l'ouest. Le maître se tient à l'est, avec l'équerre au col. Ce tableau est généralement fait de craie et de charbon. » Les loges se réunissant dans des locaux temporaires, le plus souvent des auberges, ont tracé le tableau à même le sol et ont l'effacé ensuite. Mais dès le début des années 1740, par commodité, mais aussi pour assurer l'exécution d'une composition graphique et symbolique toujours exacte, on prit l'habitude de les réaliser sur des supports de bois ou de toile que l'on disposait sur le sol pendant le temps des travaux, puis replier, rouler et soustrait au regard en dehors des tenues. Il devient tapis de loge. Il faut noter à ce propos que les Ancients, la grande loge rivale de celle de 1717, dite des Moderns, ignorait l'usage du tableau. Le centre de la loge répondait chez les anciens à un agencement précis, mais le tableau n'y figurait pas, alors que les modernes en faisaient un élément essentiel de la loge. Une autre origine possible des tableaux de loge, mais moins directe, serait celle du tapis chrétien oriental, en particulier arménien, au Haut Moyen-Âge. L'idée est toujours de séparer un espace sacralisé comme un temple d'un espace profane. Chez les Juifs, c'est le temple lui-même qui sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Chez les musulmans, le tapis de prière peut être considéré comme un temple portatif qui isole du sol impropre et est orienté selon la Qibla, direction vers laquelle doit se tourner le fidèle pour effectuer le rite de la Salah. Bien qu'il n'y ait aucun rapport direct entre eux, on a pu aussi comparer le tableau de loge au mandala tibétain. Comme eux, il comprend des portes orientées, des enceintes. Les moines tracent leur diagramme de base à l'aide de la règle et du compas, de manière à composer une cosmogonie très complexe qui propose une analogie entre l'homme et le cosmos, selon le corps, la parole et l'esprit, le tout sous la forme d'un palais. De la même manière, les prêtresses vaudous tracent les véves, motifs symboliques stylisés, dans la farine avant les cérémonies. Quelles sont ces caractéristiques au grade d'apprenti? La forme du tableau correspond à un rectangle appelé carré long. Et dès lors, elle évoque bien sûr la loge. Et dans le temple de Salomon, ce sont les proportions du Hekal ou Saint. Sa longueur va de l'Occident à l'Orient, sa largeur du septentrion au midi, sa hauteur du nadir au zénith.
Le nadir étant le point virtuel le plus bas situé à l'extrémité inférieure d'une ligne verticale passant par le centre de la Terre et l'étoile polaire. C'est aussi, en médecine, le point le plus bas de la courbe thermique d'une femme en âge de procréer, et il correspond au jour de l'ovulation. Tout est symbole, pour qui sait le voir. La même forme quadrangulaire peut être utilisée pour le repérage du temps. Le rituel, en se référant au cycle diurne-nocturne, depuis l'ouverture des travaux lors du traçage du tableau par l'expert à midi plein en coïncidence avec le sud, jusqu'à son effacement à minuit plein en coïncidence avec le nord lors de la fermeture, construit un modèle spatio-temporel dont les dimensions sont infinies, dans l'espace, éternel, dans le temps, et figure alors le cosmos dans sa totalité. Un espace sacralisé lors d'un temps anhistorique propice au travail de reconstruction du temple. C'est dans cet espace-temps infini et éternel que l'on va isoler un modèle réduit qui fait référence au temple personnel, lui-même situé dans le temple universel. Par ce système d'autoréférence et de mise en abîme, le rituel d'ouverture du rite écossais ancien et accepté participe de la prise de conscience des apprentis d'appartenir non plus uniquement à une association d'hommes éclairés, mais de prendre part, avant tout, à un projet d'émancipation personnelle et collective qui le dépasse. Sa situation n'est bien sûr pas anodine. Son positionnement est à l'interface de tous les espaces de la loge, sur l'axis mundi d'une part, entre le monde tonien d'où nous nous extirpons et l'idéal céleste vers lequel nous nous élevons, limité par trois piliers, au point le plus sacré du temple, le débir. Il est de ce fait sanctuarisé, puisque nul n'oserait fouler cet endroit. Les francs-maçons sont dans ce plan, dans la voie du milieu, voie sans excès, équilibrée, comprise entre le charnel et le spirituel. La circumambulation en loge, dextro orsum, atteste du respect aux lois de l'univers, à l'ordre cosmique des choses. L'impétrant qui ne le sait pas est voué à la chute. Rappelez-vous le premier voyage. Le franc-maçon marche selon la course du soleil autour de ce point mathématique sans dimension, primordial et immuable, et sa pensée progresse de l'extérieur vers l'intérieur, de la conscience du moi à la découverte du soi. C'est la métaphysique du tableau de loge. Durant les travaux, le tapis de loge reçoit l'éclairage général du temple, sans cacher totalement le pavé mosaïque qui, dans certains temples, s'étend pleinement sur toute la surface du sol. Le plancher, dimension horizontale sur laquelle tout prend appui pour s'élever. Par sa disposition au-dessus de ce damier, le tableau permet le recouvrement de notre matérialité et sa dualité de cases blanches et noires sur lesquelles nos vies basculent et hésitent sans cesse en un mouvement désordonné. Il libère alors l'esprit de ses contradictions et incertitudes, voile l'homme ordinaire et insuffle une bouffée d'oxygène spirituel nécessaire à la métamorphose intérieure et à la mise en œuvre du chantier. Précédant la mise en place par l'expert, le maître des cérémonies procède à l'allumage des piliers sagesse, force et beauté, et rendra actif le tableau de loge selon une logique analogue à celle de l'ouverture de la bouche des statues dans l'Égypte ancienne, ou des panneaux de retable pendant un office religieux. Le rituel, à cet instant, réactive ainsi la lumière intérieure que chaque maçon reçoit lors de son initiation, expose aux yeux de tous les frères les symboles du grade, disposés de manière organisée, chacun à leur place, ordonnant le chaos. Les symboles cosmogoniques, le soleil, la lune, les symboles ésotériques, le delta rayonnant, le volume de la loi sacrée, les symboles opératifs, planche à tracer avec croix de Saint-André, maillet, ciseaux, perpendiculaire, niveau, équerre, compas, règle, pierre brute, les symboles architecturaux, marche, porte, colonne, fenêtre, parvis, pierre taillée, sont délimités sur trois côtés par la corde à nœuds
ouverte à l'Occident, symbolisant probablement la chaîne de l'Union et reliant le tout en une unité parfaite, la loge. Le temple devient ainsi le symbole à la fois du macrocosme universel et du microcosme humain, comme le tableau de loge figure le temple maçonnique au centre duquel il se trouve. Durant le temps de la tenue, l'apprenti doit se l'approprier et le comprendre selon une quête herméneutique qui le fait voyager de symbole en symbole, de signification en signification, en suivant les étapes d'un chemin initiatique, débutant à la porte du temple, représenté en bas du tableau, chemin qui détermine un point de fuite, qui trace la perspective du regard. La vision du tableau de loge concentre l'essentiel de l'initiation, profane en dessous et au-dessus, accessible à la conscience du sacré. Il présente à l'apprenti les outils pour œuvrer à sa transformation et lui donne avec le rituel les moyens de sa réalisation. Nous avons bien compris maintenant que le tableau de loge n'est pas qu'un support d'instruction à l'usage du second surveillant, et c'est ce qui fait la différence entre une tenue d'obligation et une réunion d'apprenti. Le livret ne contient pas l'opéra. Pour ces derniers qui se disent, peut-être, qu'ils n'avaient pas pensé à tout cela en observant le tableau de loge, rassurez-vous, mais persistez, vous découvrirez peut-être un secret. Et rappelez-vous, pendant la chaîne d'union, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.